Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous se retrouvons aujourd'hui sur Ratchet & Clank. Donc nous étions arrêtés vendredi sur Batalia. Nous reprenons donc l'aventure les amis. C'est parti. Oui, le vieux. T'as préféré faire un petit massage au lieu de nous aider. Bravo. On adore avoir de la compagnie alors que tu es en train de te faire masser. Parfait, le vieux. Voilà, c'est parfait. Happy. Parfait. Maintenant, désactive les fusions tourelles du périmètre depuis l'intérieur. Salut, je tenais à vous dire à quel point je suis fier de vous. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui, mais j'ai mis des mois à obtenir un rendez-vous pour ce massage. Et on va se calmer. Bien. Ils sont à fond là. Ok, ok. Bon. Parfait. Maintenant, désactive les fusions tourelles du périmètre depuis l'intérieur. Salut. Tellement fier de nous que t'es pas là. Tellement important pour toi. Ça c'est fait. Essayez de le refaire danser. C'est bon. Allez, ok. Il danse bien le robot. Ratchet, tu m'entends? Je dois absolument entrer. Cherche un grand coboulon. Ok, ok. Bon, on va changer d'arme parce que là, ça sera beaucoup mieux. Donc là. Monsieur Surcon est là pour détruire. Zurcon. Zurcon. Ok. Ratchet,
2 minutes, pourquoi 2 minutes? Je suis en train de régler mes armes, tranquillement. Monsieur Zurcon s'ennuie. Monsieur Zurcon s'ennuie. Un croco blanc. C'est parfait. Va lancer toutes ses défenses contre nous. Tu es prêt? Allez, vas-y. J'ai attendu ça tout ça. C'est parti. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Détruire la cible. Aïe aïe aïe. Bon. Ah punaise. Pas bien ça. Drake va lancer toutes ses défenses contre nous. Tu es prêt? Vas-y, vas-y, fais péter. C'est parti. Alors, Pika, je sais pas si j'ai promis le chat vocal. Faudrait que je regarde la prochaine fois. Et ouais, si tu veux. Ouais, mais pas de soucis alors. Pas de soucis. Drake va lancer toutes ses défenses contre nous. Tu es prêt? J'ai attendu ça toute ma vie. C'est parti. Merde. Oh punaise. Ah, il rigole pas. Ouais, mais pas de soucis, Pika. Si tu veux, on essaie de faire ça. Ouais, mais si tu veux, on peut le faire maintenant. Vas-y. Non, tu veux pas. Attends, on va le faire péter comme ça non plus. Oh plus. Je suis à sec. C'est parfait. Des mois et des mois de formation avec Victor Rodrigue. Et vous n'êtes même pas capable d'éliminer quelqu'un. Je vais faire danser. Attends. Où est votre. Hop. Qu'est-ce que je peux avoir comment. Voilà. Thank you.
ça, c'est... Ah, punaise, mais non. Bien joué. Allez, la tour de garde est par là. Du coup, tu veux lancer un vocal? Vas-y en ego. Attends, je mets sur pause. Vas-y. On balance un vocal. Après, je sais pas si t'entendront dans le live exactement. Donc, je regarde si j'ai bien mis tout. Attends, fusio. Essayer de faire péter comme ça au pire. Ouais, un tank en moins. Ça c'est fait. Aidez-moi. Ah ben sois déçu. Et vous n'êtes même pas capable d'éliminer quelques rangers galactiques. Mais ouais, ils sont incapables, mon gars. Est-ce que ça vous plaît de vivre sur Terre? Complètement incapable. Incapable. Attends, je vais rejoindre. Hein. J'ai besoin de nano. Oh, punaise. Non. Attends, je rejoins vite fait. Tac, tac. Et bon, tu m'entends là? Ouais, ça va, nickel. Fine. Bon, quoi de beau? J'ai joué à Fall Guys juste avant de te rejoindre. D'accord. Mais ce matin, durant la nuit, j'ai joué à Ratchet Deadlocked en ligne sur le serveur d'Horizon. Ah, ça c'est cool ça. Oui, vraiment. Ouais, je vais voir en décaler l'action, mais c'est pas grave. Mais sinon, j'ai réfléchi à ta demande. Ouais. Est-ce que t'avais l'intention de venir sur ma chaîne, non? Je sais pas exactement, parce que j'ai énormément de choses pour le moment à faire. Ouais, t'es occupé. Et j'ai pas mal de choses à faire pour le moment, là, je suis assez débordé. Ok. Je voulais te... Ben, vu que t'es occupé, j'accepterai pas tout de suite. Mais je veux bien te donner des coups de main pour te topper tes affaires. Ouais, mais pourquoi pas? Que ce soit sur un serveur Discord, ça, je suis capable de me débrouiller. D'accord. T'as besoin d'un coup de pouce avec OBS plus tard un jour. Hein. Je vais pouvoir t'en donner un. Je
Ça pourrait être pas mal, ouais. Après, non, pour le moment, les serveurs Discord, ils sont pas à moi, donc je ne gère rien sur les Discord, exactement. Mais ouais. Parce que pour le moment, je me suis balancé dans les Discord. Ouais. T'es pas obligé d'en avoir un, non. Non, franchement, après, bon, j'ai assez de choses avec ma chaîne, mais la chaîne YouTube a essayé de gérer un peu pour mettre toujours les rediffusions, les trucs comme ça, mais après, voilà, c'est pas... Alors, détruire les cuirassés, ok. On doit absolument activer ce truc, et vite. Ok, ok. Le crocheteur pourrait peut-être faut nous aider. Faut que tu rentres dedans. Tu suis les escaliers. Puis tu montes dedans. La sécurité de ce verrou est renforcée. Où tu fais ça? Est-ce que tu peux le tester pour moi? Excellent. Maintenant, teste la fonction d'activation. Super, merci. À partir de maintenant, pense bien à utiliser cette nouvelle fonction. Ok. Mon chat miaule. Ouais. Pauvre ouais. Minou. Faut que tu désactives le deuxième. Le deuxième, tu dis. Celui du milieu. L'anneau du milieu. Attends. Là, tu l'as désactivé le troisième. Le deuxième. Comme ça, réactive le dernier. C'est bon. Et, canon de la tour de garde activé. C'est parfait. Bien joué, Ratchet. Monte sur le canon défensif. Je te couvre. T'as monté. On va go. Détruire ces vaisseaux de guerre l'un après l'autre. Dès que le oh, c'est la guerre. Oh, yeah. Ouais, faut que tu détruises les vaisseaux pour avoir du jus. Pas comme ça. Détruis les UFO avant. Ça va te donner de l'énergie, mais il faut que t'en accumules. Petit. Venez là. Canon ionique de la tour de garde. Là, une fois chargé, t'as droit juste à un coup. Oh yes. C'est classe. Non, mais félicitations. Lol. Missile en approche détecté. C'est quoi un missile? Il y a des missiles. Les missiles sont un petit peu moins manqués. Canon ionique de la tour de garde à 75%. C'est bien ça. Canon ionique de la tour de garde armé. Non! Je me suis raté. Ouais, faut que t'appuies sur L2 seulement quand t'es sûr de ton coup. Ouais. J'ai vu ça. Eh oh, on est là. C'est vrai. Je ne
ne savais pas. Canon ionique de la tour de garde à 60. Tire encore. Boum. Impact confirmé. Yes. Et salut Papy Raven, j'espère que tu vas bien et que t'as passé un très bon week-end, mon cher ami. Bon matin à toi. Ou plutôt bonne fin de semaine. Canon ionique de la tour de garde à 25%. Ah là là. Okay. Canon ionique de la tour de garde à 75%. Parfait. Le canon est prêt. Tire. Oui. C'est bon. Tu l'as eu. Bien joué. Oui. Pourquoi? Pourquoi je n'aurais pas eu? Pourquoi je n'aurais pas eu? Je suis pas si mauvais. De la tour de garde armée. Hey, boum boum. Bien joué, petit. Parfait. Yes. Parfait. Oui. Let's go, les amis. Drake, voilà ce qu'il en coûte de s'en prendre au Ranger Galactique. Et yes, nous avons un trophée. J'ai abattu les vaisseaux. Yes. C'est parfait. On devrait retourner au. Je vais regarder pendant ce temps-là. J'ai obtenu une platine quand déjà. Alors pour le moment, platine, j'en suis à 97 pour le moment. J'ai pas fait d'autres platines. Pour l'instant. Ouais, mais les platines de Ratchet sont faciles. Sauf PS4 là. T'as réussi, petit. Il semblerait que le reste de la flotte de Drake se replie. Et la race. Je l'ai obtenu, hein, mais ça a été chiant un peu. Parce qu'il y a un trophée qui te force à recommencer le jeu de A à Z. Oui, je sais. En mode défi. Ce que j'ai compris. C'est le mode défi. Non, c'est... Oui, c'est en mode défi, mais c'est... Je vais te dire c'est lequel. Bon, faut juste que je lise les descriptions. Oh, poc poc poc. Après, si je me rappelle bien, il y a trois trophées qui sont manquants. Ils peuvent être manqués assez facilement. Sur celui-ci. Ok, là il n'y a plus d'amélioration. Là il n'y en a pas. Ok. Le signal d'un info. Ah, le disco meurtre. Que nous devrions le suivre. Dans le fond, faut que tu fasses danser toutes les ennemis du jeu. Ah, au oui. Moins une fois. Ouais. Il est détenu par 2,6% des joueurs. Ouais, parce qu'il faut savoir quel ennemi tu n'as pas fait danser. C'est bien plus embêtant qu'il ne le paraît, vu que tu ne peux pas savoir quel ennemi tu as fait danser ou pas, si je me rappelle bien. Oui, puis il faut que tu le fasses en numéro 1. T'en oublies un, pète. Après, je me demande exactement si les boss, par exemple, il te faut les faire danser. Oui. Ouais, bah... Je sais même pas si je les ai fait danser, les boss. C'est le problème. Je crois pas.
Mais après, je crois que quand tu fais ta nouvelle partie... Je sais qu'il y a un ennemi qui est présent un peu plus loin dans le jeu que je vois juste selon le point de vue de Quark. Après, je crois que c'est mieux de le faire en mode défi, ça, je crois. Oui. De les faire tous danser, je crois que c'est beaucoup mieux de le faire en mode défi. Attends. Alors, emprunter le rail. Ok. Attends, c'est là. Ouais. Non. Ok. Alors, je platine le 18 mars 2018. Avant ma fête. Ah. GG quand même. Avant ta fête, c'est parfait. Oh punaise. La majorité de mes platines sont sur les ratchets. La majorité des platines que j'ai obtenues, c'est toutes des ratchets. Bah, c'est pas mal. Oui, moins, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai fait les Spirou, ça a été facile parce que je les connaissais. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez toujours une agréable journée. Nous sommes toujours sur Ratchet & Clank. J'ai la platine de Jack et Jack 2. Je les ai pas fait ceux-là. Les Jack, enfin, je les ai fait sur PlayStation 2. Les Jack. Je les ai pas fait sur PS3 parce que je ne les ai pas. J'ai pas la collection HD. J'ai fait les Sly sur PS3. Les Sly sont vraiment excellents. Sly, je pense que j'ai le platine du 1, souvenir. J'ai fait la collection HD de Sly. Déjà. Il me reste juste Sly 3, ouais, c'est... J'ai fait la même chose. Sly est un très bon jeu, un excellent jeu. J'aimerais franchement qu'il refasse un remake. Un remaster ou un remake, tu vois. Moi, je voterais pour un nouveau jeu. Ouais, ou au moins une suite, ouais. Une suite. Parce que si tu regardes bien, ils ont bien fait une suite de Crash Bandicoot, alors que ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas eu de suite de Crash Bandicoot. Tu regardes, ils nous ont ouais, fait Crash mais Bandicoot Crash Bandicoot 4. A été donné à Activision quand Dead Price a vendu Spyro. Ouais, mais si tu regardes bien, s'ils nous feraient un nouveau Sly Coopers, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait même redonner ouais. Une seconde vie en fait au jeu. Mais les Crash, il me semble que. Les Crash ont été donnés à Activision aussi, il me semble. Oui, Activision, oui, Crash Bandicoot, c'est Activision. Heureusement, j'ai appris que le studio qu'ils ont fait était démantelé pour que les membres restants travaillent sur les Call of Duty. Ah oui, sur les Call of Duty, oui. C'est triste parce que j'aurais voulu voir plus. Ok.
Hop. Attends, attends. Ok. Est-ce que ça repart là? Donc, le seul platine des Ratchet qui me reste à faire, c'est Rift Apart. Il me reste juste un trophée. Après, t'as fait la collection HD et tout ça de Ratchet? Oui. Oui, ils sont tous platinés les HD. Ça va, t'as géré quand même. Sur les Ratchet, t'as géré. Hop. Oh, mais non! Ah, oh, punaise, il fallait changer. Ah, oh, j'ai une platine, le slide 2 aussi. Slide 3 à faire. Fallait changer de. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention qu'il fallait changer de rail. J'ai à Crack in Time. Et lui, ça a été vraiment fun à faire. Après des Ratchet, il y en a pas un aussi qui était un jeu de combat entièrement. Alors je sais pas si c'est sur PS3 ou sur PlayStation 2 qui était un jeu de combat. Je pense que tu parles de Deadlocket Gladiator. Ouais, c'est ça. C'était ouais, oui, ils l'ont ressorti sur PlayStation 3, mais c'est un port qui était disponible seulement sur le PSN. Puis il est vraiment mauvais. Parce que j'avais bien aimé sur PlayStation 2, tu vois. Il est jouable, mais il crache souvent. Puis tu peux avoir des softlocks aussi. Comme je l'ai acheté, puis. Dans une seule partie, il m'a craché dans la face 4 fois. Donc j'ai des clips de ça sur ma chaîne Twitch. D'accord, je comprends mieux. Ouais, j'ai des clips. J'ai eu un hard reset et un soft lock. Le troisième, je l'ai perdu malheureusement parce que j'ai pas ça trouvé sur mon stream. J'ai pas regardé ma vision. Ça fait un bail de ça. Là. J'ai pas fait attention. Je me suis encore buté. Bon, Kinder 1-1, ça a été facile parce que je connaissais tout. Sauf les boss secrets, il va falloir que je les apprenne. Il va falloir que je me retape du Kingdom Hearts en fait. Un jour ou l'autre, il faut que je tente à faire le deuxième. Le deuxième, puis. Ben, quand tu seras prêt, on s'organisera. Je viendrai en vocal t'aider. Après, est-ce que toi tu vas le prendre le Kingdom Hearts musical? Non, je l'ai pas celui. Je sais pas, il a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt joli, va dire. Bah, c'est surtout un jeu musical comme tu dis. Ouais, mais bon. Et moi. Disons qu'après, sachant qu'on est fan de Kingdom Hearts et tout ça, les jeux musicaux, on va dire que voilà, tu retrouves beaucoup les musiques de Kingdom Hearts, ça peut être intéressant d'un côté. C'est vrai que les musiques sont belles pour la majorité des jeux. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est que bon, après, si tu les retrouves à peu près tous dans le jeu, quoi, ça va.
là je fais pas la même bêtise, c'est bon. Ouais. Après, je sais pas si t'es allé voir du côté de la chaîne YouTube de Wiper, mais il a fait Dearly Beloved sur le piano. Sur ouais. Son ancien piano. Watchet, c'est Grim. J'ai suivi tes aventures et je suis très content pour toi. J'ai vraiment aimé. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai un frère sur Pokitaru. Il s'appelle Felton. On se parle pas souvent parce que c'est un peu un gros fainéant. Mais il m'a envoyé un appel de détresse ce matin. Il disait que Drake était en train d'attaquer Pokitaru avec ses moissonneurs. T'as-tu une commande de sauce sur ta chaîne Twitch ou... Les Rangers, mais le capitaine ça t'as pas réussi à la programmer. Bref, tu pourrais si, pas si, c'est bon, le point SO, c'est bon. Il est fait. Merci. Il est fait. Je suis fier de toi. Je suis arrivé à mettre. Le point SO, c'est bon, il est fait. Bon, ben. J'ai une pub. Au moins, je vois un peu. Alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, donc, pas suivez le lien qui est affiché sur les SO pour me découvrir. Voilà. N'hésitez pas à aller checker la chatte de Pika, Meraline, pour découvrir son contenu, les amis. Donc, alors, là on en est où? Ça c'est bon. Retourner au vaisseau pour le moment. Je pense qu'on a tout trouvé là. Alors, poc. Je suis de retour au vaisseau. J'ai commencé Bird by Sleep avec Vern. Oui. Mais comme je suis en critique, ça sera pas facile. Oh là là, que ça sera pas facile. Il est dur. Il y a une difficulté assez élevée, ouais. J'ai peur d'arriver à l'inconnu. Là. J'ai vraiment peur. Ah, parce que tu le connais pas, celui-ci? C'est pas que je le connais pas, c'est que il change constamment. D'accord. Il est un peu comme Terra, mais en pire. Parce que il peut s'adapter selon ton jeu que t'as présentement. Donc si tu mets telle attaque, il va réagir de telle façon. D'accord. Donc là, il m'en manque. Si t'as le malheur de mettre telle ou telle compétence, il peut te faire doom. Ouais, je comprends mieux. Ouais. Je comprends mieux. Je me souviens que quand Bird by Sleep est sorti sur PSP, ça a pris 2 mois avant qu'un joueur japonais réussisse à le vaincre. Là, après... Après, il est beaucoup plus connu. On va où? Il y a du monde qui ont réussi à le vaincre là, avec les techniques qui ont été trouvées. Là. Car tu rejoins les Rangers Galactiques. Prêt à rendre une petite visite à Drake ou Felton. Retrouve Felton Rad. On va faire d'abord l'un ou l'autre. Allez, après, on va sauver notre d'abord. Bah c'est pas mal déjà. Ta-ta-ta.
Équipe Alpha, ici la base. L'heure est enfin venue de conférer à notre nouvelle planète la réserve d'eau la plus pure de toute la galaxie. Mettez les moissonneurs hydrauliques en marche et asséchez-moi cette planète. Bien reçu, Président. Ah ok, ils assèchent la planète. Il reste... C'est un niveau-là, il est pas mal identique à l'original, je trouve. Sauf les personnages, bien sûr. Les réserves en eau de Poquitaru étaient menacées. Si Ratchet et Clank n'arrivaient pas à détruire les moissonneurs hydrauliques de Drake, ce paradis tropical ne serait bientôt plus qu'un vaste désert. Ok. Ça fait le plein. Alors, on va essayer de voir s'il y a des améliorations à faire. Non. Je crois pas. Hey, aucune amélioration. Attends, Coco, attends. 2 minutes. Là, c'est bloqué. Est-ce que c'est toi le Lombax dont mon frère m'a parlé? Lombax? Eh bien que le grand Cric me croque comme un crancoboulon cragmite. Grimm m'avait bien dit qu'il avait un ami Lombax, mais je l'ai pas cru. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Tu dois être Ratchet. C'est vraiment bizarre. Cette ressemblance... Ouais, c'est parfait. C'est... Troublant, je sais. Grimm nous a demandé de t'aider à détruire les moissonneurs hydrauliques de Drake. Si tu veux détruire ces engins, il va falloir qu'on améliore ton vaisseau. Et il se trouve que le plus grand expert en amélioration de la galaxie est ici alors... pour un son BD. Viens, je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dessus? Ah oui. Les poissons globes s'échouent depuis que les Blargs ont lancé leur attaque. Ce sont de vraies saletés, mais ils sont délicieux quand on sait comment les cuisiner. Allez, si vous voulez faire danser. Les pâtes au poulpe. Ok, amélioration 02. Personne ne t'avait prévenu pour me suivre. Eh, c'était pas mal. C'est mon frère qui t'a appris à faire ça. Pas du tout. Vite, mon bateau est par là. Ok, mets ta ceinture. Ah, je plaisante, il n'y en a pas sur ce ratio. En fait, j'avais prévu d'aller à la pêche avant que ces moissonneurs hydrauliques ne débarquent et ne viennent tout gâcher. Le voyage a duré combien de temps? Je m'y suis mis il y a 10 ans maintenant. Et je commençais tout juste à sortir de beaux poissons. C'est pour ce genre de moment que vit Monsieur Surprise. Là, pour le moment, ça va. Je gère plutôt bien, ça va. Et tu peux pas te barres pas sans moi. Ne restons pas là. Oh non, encore des poissons globes. Vous pouvez nous en débarrasser, pas vrai? J'aime pêcher, mais pas me battre. Vous comprenez? La gueule de qui celui-là? J'aime bien pêcher, mais pas se battre. Je crois qu'ils sont tous morts. Allez. C'est pas grâce à toi, hein, mec. Ils sont vraiment là. Là comme des tortues.
en vient d'autre. Bon, ça c'est fait. Il avance pas lui. Eh oh, il a bugué. Il a bugué, c'est bon. Oh, si c'est pas magnifique. Là-bas, c'est la cascade de Torgoff. Grim et moi, on marchait okay. Jusqu'en haut à chaque vacances pour chercher des boulons en or et ce genre de choses. Oh. Un jour, il m'a même mis au défi de la descendre dans un tonneau. Autant te dire que j'ai jamais vu notre père aussi furieux. Ah, c'était le bon temps. Ouais. C'était le bon temps. Oh, Camille. Alléluia. Un énorme. J'ai besoin de nanotech. Je vais mourir. Ouf, ça, ça faisait mal. Ouf. Pourquoi vous vous cachez, maudits extraterrestres? Monsieur Zurkon veut simplement vous éliminer. Et un, et deux. Oh non, je suis à sec. Attends. Là. Tant pis, danse, hein. Encore des poissons globes. Parfait. Je crois qu'ils sont tous morts. Allez. C'est toujours pas grâce à toi. Je te le dis, hein. Tu fous que dalle. On se croirait en vacances. Comment va ce vieux Grim? On s'est presque pas parlé depuis que j'ai quitté la galaxie de Polaris pour venir m'installer ici. Ici, un garage, c'est ça? Oui, sur Veldin. C'est petit même. Il veut peut-être une citronnade à la fin, je pense. Pour le vol, des décapages au proton, ce genre de trucs. Et maintenant, tu me regardes en train de tirer les monstres et moi, je lui sers une petite citronnade. Bah, à vrai dire, je ne sais pas. Je devais l'aider sur des décapages au proton, mais je suis parti précipitamment. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Ah, t'inquiète pas. Après tout, tu défends la galaxie. Ouais. Rien de plus important qu'un décapage au proton. Ouais. J'aime bien. T'inquiète pas, tu défends la planète. Il est pas très loin d'ici. Il devrait pouvoir t'aider. Or, entre le vieux qui préfère se faire masser. Tout à l'heure, et puis entre lui qui ne te fout rien, qui on se croirait qu'il est en vacances, quoi. Ils sont en vacances aussi. Ah, ils sont tous en vacances, les mecs. Oh, super, le pont est déployé. Oh. Ces blagues commencent vraiment à me taper sur les nerfs. Après tout, on sur Pokitagou, la planète. Bah, c'est ça. Pour ça. Vas-y, saute. Ah oui, faut que t'appuies sur le bouton là-bas. Merci. Allez, on n'est plus très loin. Parce qu'il peut pas traverser. Oh, les points sportifs. Oh non, j'aime pas ça. On dirait bien que les blargues ont atteint la ville. Aïe. C'est vrai que les poissons globes leur donnent du fil à retordre. On ne pourra pas rejoindre mon ami tant que les troupes au sol seront là. Oh. On s'en occupe. Restez là et faites attention. Bah oui, faites attention. J'ai pas votre trou, hein. Qu'est-ce que tu fais, ce mec? Je crois qu'ils sont tous morts.
Je détecte la présence d'un autre interrupteur pour le pont dans les environs. Nous devons l'activer pour que Felton puisse passer. Monsieur Felton. Ouais. Je sais pas si t'as fait Assassin's Creed 2. Alors, Assassin's Creed 2, de la collection Ezio ou de la collection normale? Je pense que c'était normal. Alors, je l'avais fait, mais en PC. Je l'avais fait, mais en PC. Pas en PS3. Tac, tac, tac. Il y a un trophée que je peux faire, demain matin. C'est noir et blanc. Porter la cape auditorée dans chaque ville, est-ce que c'est facile? Strike aussi. Voilà, c'est un Clyde. Septoman aussi. Le deuxième, je l'avais fait, mais sur PC en fait. Je les ai jamais fait après sur PS3. Hors d'atteindre ça, ça c'est un peu. Parce qu'il faut pas que tu te fasses toucher et que tu dis ami sans arrêter de te battre. Ouais, ça ces trophées sont plutôt embêtants. Il y a pas mal de trophées maintenant sur la liste, c'est assez comme ça. Où il te faut pas perdre aucune vie pour pendant le niveau, les trucs comme ça. Par exemple. En vrai, je serais capable d'avoir ce trophée platine là. Je le sais juste que. Juste ce trophée qui est dur un peu. Là, je le sais que sur la collection Ezio, il y en a beaucoup de trophées, par exemple, où il te demande de faire les niveaux sans te faire taper dessus ni rien. Oh ouais. Sinon, même ils ont changé les trophées. Là, je sais que ouais, il y a reviens, pas mal de trophées comme ça. Activer les commandes du pont sur la collection Ezio. Ok. Alors. En plus, j'aime l'acheter. Avoir su. Avoir su, je les aurais gardés sur PS3. Après, le seul problème, c'est que maintenant les Assassin's Creed commencent à fermer tous. S'ils ont des trophées en ligne, tu ne pourras bientôt plus les faire. Oh, parce qu'ils ferment les serveurs aussi. Ouais. Oui. Ils sont en train de tous fermer les serveurs sur PS3. Surtout sur les AC. Parce qu'il y a un multijoueur, je m'en fous, mais... Ok. C'est pour ça, si tu as le multi... disons que le multijoueur fait partie des trophées platine. Si je me rappelle bien. Il y en a un ou même deux qui ont des trophées... de multijoueurs et ils sont comptés sur le platine. Donc si tu ne les fais n'importe pas avant quoi. Qu'ils ferment, t'es mal barré. C'est ce qui s'est passé pour les Uncharted aussi. Pendant un certain temps, les Uncharted, ça a été pareil. Tiens, oh, super. Trophée. Bon, rien de pire qu'un requin. Ces blagues commencent vraiment à me taper okay. sur les nerfs. Je me suis fait bouffer par les service. Requins. Va voir si tu peux l'activer depuis l'autre côté. Ouais. Mais les Uncharted sur PS3 c'était Merci. Pareil. Allez, on est plus très loin. Ça a été énormément pareil. Tu regardes Uncharted 2 et 3 ne sont plus platinables tout simplement parce que ils ont fait fermer les lignes et tout oh ça. Non, et c'est compté pas. Sur le platine. On dirait bien que les blagues ont atteint la ville. Pareil pour le Assassin's Creed, je crois 3 ou 4, c'est le 3ème qui est en train de fermer. On s'en occupe, restez là et faites attention. Yep.
crois qu'ils sont tous morts. Je détecte la présence d'un autre interrupteur pour le pont dans les environs. Nous devons l'activer pour que Felton puisse passer. Ok. Fait qu'ils vont juste garder les serveurs pour la PS4 et la PS5 à ça. Bah c'est ça le problème, c'est que... Je trouve que si ils commencent à fermer tous leurs serveurs en ligne et tout ça, ça ne sert strictement à rien en fait de ressortir les jeux sur la PlayStation 5, tu vois, avec notre nouveau PlayStation Plus. Parce que t'as énormément de jeux qui n'ont plus de serveur déjà. Donc impossible à platiner. Comment veux-tu platiner des jeux si tu n'as plus de serveur en ligne? Pour moi, c'est... Oh, bien. T'as oublié d'activer les commandes du pont. Doucement, je joue. Hein. Sans où tes commandes? Ah ben tiens, voilà. C'est pour ça que je comprends pas les développeurs d'avoir mis des trophées multijoueurs. Ben, c'est ça le problème, c'est que de plus en plus ils ferment pour les trophées multijoueurs et tout ça. Parce que t'as plus de lignes, t'as plus personne. Avec un peu de chance, mon ami. Et disons que ben, même sur PlayStation 5, quand tu vas prendre le PlayStation Plus, on va dire. Pour jouer en streaming et retélécharger les jeux PS3, PS2 et tout ça. Est-ce que tu vas encore avoir des trophées en ligne et tout ça dessus? C'est ça le problème. C'est qu'il y a tellement de jeux maintenant qui sont fermés à cause du ligne. Est-ce que c'est encore intéressant de payer au moins 120-130€ pour rejouer à des jeux de PS3, tu vois, jeux de PS3 ou PS4, même. Je sais que l'autre fois, il y avait pour le PlayStation Now, il y avait les Uncharted qui étaient donnés pour le PlayStation Now, il y a quelques années en arrière, et c'était déjà pareil. Les Uncharted étaient déjà fermés depuis un petit moment en ligne, donc impossible de platiner. Merde. Regarde là-bas, le Tiki, l'hôtel et le bar karaoké de Pokitaru. Avec un peu de chance, mon ami ingénieur y sera. Qui est votre ami? Les gars du forum de mon holo-jeu l'appellent Gros Hal. Oh, on le connaît. On l'a rencontré à Aliro City. Il est sympa, un peu bizarre, mais bon. Oui, c'est bien. Mais il y a un jeu que je vais acheter bientôt, que les serveurs étaient fermés puis qu'ils ont réouvert par des fans. C'est Resistance Fallout Man. Ah, Fallout Man, c'est sur PS4 donc, ça. Non, c'est sur PS3. PS3? Ouais. Résistance. Ah oui, Résistance. J'en avais un sur... Moi je crois que j'ai le 2 sur PS3 et j'en ai un sur PSP qu'on pouvait connecter sur la PS3. Je pourrais pas te dire c'est lequel par contre. C'est une série d'Insomniac que je n'ai pas fait, donc les résistances, quand je vais l'acheter, je vais jouer sur les serveurs de fans. Franchement, les résistances étaient plutôt pas mal déjà. J'avais trouvé ça pas mal. Le Tiki, l'hôtel et le bar karaoké de Pokitaru. Avec un peu de chance, mon ami ingénieur y sera. Qui est votre ami? Mais du côté des fans, il se passe des choses intéressantes. Ce jeu-là qui est ressorti, le serveur de OneUp Kerberos pour la PlayStation 2. Là, ils ont trouvé un moyen pour mettre le ligne alors que c'était fermé. Ou ils ont des autorisations? Ben oui, là.
Ouais, ils ont des autorisations pour le rouvrir. Non. Non, c'est simplement qu'ils hébergent les fichiers qui permettent de se connecter. D'accord. Ils savent pas combien de temps ça peut tenir. Si ça peut ben, être... Ils ont leur propre truc, là. Allez, rentrons à l'intérieur. Pour rejoindre un Discord, de la communauté, puis... Parce que je le sais les qu'il y a... Autres il y avait un jeu de combat qui était comme un Smash Bros. Ou avec Ratchet. Est-ce que t'as connu ce jeu avec Ratchet, avec Uncharted? Tu avais God of War, je crois, aussi. Ok, ça va. Est-ce que c'est PlayStation Ouais, c'était Battle ça. Royale, quelque chose. Exactement. De 20, et ce jeu, pendant un certain temps, était entièrement Major. Fermé, mais il y avait des joueurs qui étaient arrivés à débloquer, à pouvoir se connecter en fait. On pouvait encore le platiner pendant un certain temps. Il y avait des ça fait des années qu'on pouvait encore le platiner. Je sais pas exactement comment ils avaient trouvé le moyen de pouvoir être en ligne à chaque fois. Il y a eu pas mal de personnes qui ont platiné ce jeu grâce à ça. Ah, c'est cool. Bien. Hein? On est là pour t'aider à détruire ces moissonneurs hydrauliques. Tu pourrais nous aider à améliorer notre système. Ouais. C'est toujours un plaisir d'aider les Rangers galactiques. Vu que je suis sur PlayStation 2 et PlayStation 3, je suis quand même dans beaucoup de communautés de jeux en ligne. Cette semaine, j'ai essayé. Biohazard Outbreak File 1. J'ai réussi à m'y connecter. Unbreak, ouais. Unbreak, j'aime bien celui-ci. Et moi, j'aime bien les deux jeux en fait. Les deux Unbreak sont vraiment extra. J'ai réussi à m'y connecter, j'ai réussi à faire une partie. Je l'ai réussi grâce à mes coquets. J'ai vraiment aimé aussi. J'ai un jeu musical qui apparemment peut être joué en ligne, que je m'étais connecté, mais que j'avais pas réussi à jouer à ce moment-là. Et ça s'appelle Amplitude. Ça a sorti sur PlayStation 2. De vieux trucs. Je peux casser les robots pour avoir des cartes. Ok. C'est l'ancêtre de Guitar Hero. Ah, ça, Guitar Hero, j'avais bien aimé ça. J'avais bien aimé. C'est dommage que c'est fermé pratiquement tous, les Guitar Hero. Mais sinon, est-ce que tu joues à des jeux en ligne sur PlayStation 3 au moins? Sur PlayStation 3, quelquefois, oui. Ben, je pourrais t'inviter à une communauté sur Discord. Que je modère. C'est pour ça que j'en ai récupéré quelques-uns là de jeux. De jeu et tout ça, il faudrait que je vois si les platines sont faisables et tout ça, mais j'en ai quelques-uns, ouais. Est-ce que je t'envoie l'invitation dans le chat Twitch ou je l'envoie ailleurs? Comme tu veux. Comme tu veux. Ou sinon, tu peux me l'envoyer par privé, ou sinon, c'est comme tu veux. Ok, alors je vais faire... modifier le lien d'invitation, je vais le faire respirer dans une heure le temps que bon, je vais faire une utilisation.
Alors, je vais te donner... le plus simple, ça serait de te donner dans le chat. Ou en privé. Que si je le donne sur le chat Twitch, il y a quelqu'un qui risque de le prendre. Que ça soit pas toi qui rentre dedans. Bon, après, si ça peut aider des personnes, si ça peut aider des personnes, ça, pourquoi pas après. Après, si ça peut te faire de la publicité, on va dire, pour le Discord et tout ça, et que ça nous amène aussi des personnes, ça peut aller aussi. Mais après, voilà, c'est comme tu veux, si tu as... Parce qu'après, bon... Après, si tu préfères me le donner sur Discord en privé, tout va bien aussi, c'est pareil. Le papier... J'ai mis 10 utilisations, fait que... N'hésitez pas à rejoindre, c'est une communauté de jeux vidéo en ligne. Rétro. On joue sur... On joue sur PS2, PS3, la PSP, la Wii, la GameCube. Regarde la liste. J'espère que j'ai pas oublié un jeu, console. La DS. C'est une communauté francophone, donc. Attends, là, on essaye de builder ça. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Le lien que je vais envoyer, c'est 10 utilisations. Oups. Désolé. C'est mon alarme. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Hop, alors, là, je comprends pas. Il faut aller où exactement, là? C'est un Discord que je modère, donc... trouve le technicien. Le technicien, il est où? Vous avez juste à me préciser si vous rejoignez que... avez connu sur Twitch, sur la chaîne de Raiden. Là, le technicien... Je le trouve pas, le technicien. Il est où, le technicien? Monsieur le technicien, où êtes-vous? Je commence vraiment à en avoir ma claque de ces blagues. Ils sont en profiter pendant que... Ok, ok. ...inspirés de BD. Tous les plus grands blogueurs étaient présents. Moi, Stuart Durgo, et même Obsidian... Envoyez un message de... Van Schmoot était là. Vraiment. Oh, je l'adore. Elle déteste tout le monde. Aucun holofilm, jeu ou lancement de produits en ligne n'a échappé à ses critiques acerbes sous la rubrique commentaires. Il faut beaucoup de talent pour porter tel jugement. Oh, wow. Hashtag jugement. Nous voilà arrivés à bon port. Mais bouge tes fesses, dépêche-toi, hein, chérie. Donc. On a trouvé le technicien. Tout va bien. Qu'est-ce que... C'est parti. Pour découvrir les jeux. Installons ce système d'armement. Réinstallation du logiciel d'armement. Installation du logiciel d'armement. Système. Et voilà. Kit de frappe. Oh yeah. Parfait. C'est parfait tout ça.
ces moissonneurs hydrauliques. N'oublie pas, les munitions classiques n'auront aucun effet sur les moissonneurs hydrauliques. À la place, tu peux utiliser tes roquettes Tesla. Essaie de battre ces vaisseaux Blarg. Ils largueront des munitions et de la santé que tu pourras récupérer. Ok. Ok. Il faut utiliser nos roquettes Tesla. On sera bientôt à court de roquettes Tesla. On devrait récupérer plus de roquettes sur ces vaisseaux Blarg. Et 2000, chérie. On va se calmer, hein. Cible détruite. Vaisseau réparé. Arme rechargée. Arme rechargée, c'est bon. Il faut qu'on passe aux roquettes Tesla. S'apprête à attaquer. Bien visé, Ratchet. Munition récupérée. Tout système rétabli. Ok. On est à fond. Et encore une cible détruite. C'est parfait. J'adore quand ça part, ça fait un moissonneur hydraulique en moins. Plus que deux. Allez, ça c'est fait. Un des rangers galactiques est sur Pokitaru. Il détruit nos moissonneurs hydrauliques. Écoutez-moi bien. Je veux cette eau. Je ne tolérerai pas l'échec. Détruisez ce ranger galactique ou je ferai en sorte que vous soyez la première personne à être enterrée sur notre nouvelle planète. Oh, fight. Ouais, t'es une menace. Plus qu'un moissonneur hydraulique. Votre tombeau sera votre tombeau. Obtenu, plouf, ça fait partie, c'est du parfait. Travail. Ben c'est parfait tout ça, c'est nickel. Et ben on a géré, on a vraiment géré, ça va. C'était incroyable. S'il vous faut d'autres améliorations, hein, venez me voir. Je suis un héros. Qu'est-ce que vous diriez d'un propulse pack? J'ai téléchargé les nouveaux holoplans la nuit dernière et ils sont top. C'est vrai que ça pourrait être utile. Recalibrage du port avionique. Mise à jour du logiciel. Mise à jour. Mais vas-y, donne. Toujours mise à jour. Donne-moi tout, dépêche-toi. Et voilà. Il est tout à vous. Oh yeah, j'ai la classe. De classe D pour piloter un de ces petits bijoux, mais j'ai la classe. S'en fiche. La classe, c'était un petit tout. Nous avons la classe tout à fait. Ça devrait t'aider à atteindre ces stations de pompage. Parfait. Donc, maintenant. Élimine les amibes dans la station de pompage. Trouve un moyen d'atteindre le haut de la cascade. Ok. Tac. Là, on le fera un petit peu plus tard pour le moment. C'est optionnel. Je vais saisir nos nouvelles coordonnées. Tac. Là, pour le moment, on n'a rien trouvé. On va faire celui-ci. On fera les objectifs optionnels un petit peu plus tard.
peu. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industries est juste devant. Allons-y. Un filtre l'usine. Ok. Ok. Bon, je me suis raté. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industries est juste devant. Allons-y. Ah non, viens. Oh, punaise. Je me suis raté. Encore une fois. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industries est juste devant. Allons-y. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien et que vous passez une agréable journée. Bienvenue à vous tous sur Ratchet & Clank sur PS4, les amis. Oh, il y a du monde là. Il y a du monde. Du people. Ah, bienvenue. Bienvenue à tous. Yes. Toi. T'accompagne Raiden, je suis Picameraline. Et... Jette donc un œil à mon stock. Tu trouveras les meilleures affaires de la galaxie. Je crois. Excellent choix. Trouver ça. Alors ça c'est fait. Excellent choix. Le disco zigzag est une de mes armes préférées. Disco zigzag. Disco zigzag. Hey. Et bienvenue à tous. Je me suis raté. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industries est juste devant. Allons-y. Je sais pas si... Je sais pas si je peux le faire là pour le moment. En fait. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact. En fait, j'ai le jetpack qui est à zéro. Et en fait, il faut que je m'accroche un Ranger, peu de partout. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Faut juste que tu fasses le... Diaper Swing. Ça s'appelle en français, je m'en rappelle plus. Si. Ah, punaise. Là, je me suis oh, la cible du swinger, oui. Ouais, c'est... Ranger, ici Ratchet. Ça va être chaud, ça. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. En fait, dès qu'elle ouvre, tu peux peser sur eux. Dès que ça ouvre. Ça va être vraiment Ranger, chaud, c'est juste de la même ligne. J'ai atterri sur Quartu, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Tu la maintiens jusqu'à temps que tu sois... Soit à une bonne hauteur, soit t'es sur la terre ferme. Brax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Drake Industries est juste devant. Allons-y. Merde. Oh, je me suis raté.
Je m'étais accroché, puis je me suis retrouvé. Ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartou, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Rax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Ah, le troisième, il est horrible. Il est horrible. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartou, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Rax et moi, Quartou. On se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Trek Industrie est juste devant. Allons-y. Ah, punaise. Trop punaise. Là, on va, je vais pouvoir mourir pas mal de fois. Pour que tu maintiennes. Rax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Dès que tu t'accroches, il faut que tu maintiennes ton haut. Suis-moi. Comme ça. Oui. Hop. C'est bon, je crois que j'ai trouvé le coup là. Là, j'ai trouvé le coup. C'est bon. Ranger, ici Ratchet. J'ai atterri sur Quartou, mais mon jetpack n'a plus de carburant. Rax et moi, on se dirige vers le complexe. On va se séparer et rester en contact radio. Bonne chance, Ranger. Trek Industrie est juste devant. Allons-y. Suis-moi. Ok, c'est bon. On est go. Je te couvre. Bon, t'es rendu à l'usine. Il faut juste se démonter là. Dépêche-toi, hein. Versapont activé. Essaie de passer maintenant. Attention, il y a des gardes devant. Elle me dit attention et c'est elle qui fonce. Pas trop tellement besoin de toi, mais bon. C'est vrai que je suis pas tellement besoin. Il me prend toujours rire. T'as c'est... C'est vraiment... comique. J'ai pas tellement besoin d'elle, mais bon. Allez, on danse, les coucous. Des gommes, hein. Danse, c'est bien. Là, c'est bien. Allez, vas-y, danse. Allez, cocotte. Bon, il y en a où? Allez, vas-y, danse. Voilà, qu'il fait. C'est parfait. Pas mal du tout. Pour un parfait. Bleu. Pour un bleu et oh. Va se calmer, cocotte. Hein. L'endroit a l'air bien protégé. Quelqu'un sait par où on pourrait entrer? Ratchet, la dernière fois que j'étais ici, j'ai utilisé les conduits de purification d'air pour m'échapper. On pourrait peut-être les utiliser pour rentrer dans l'usine. Bonne idée, Clank. Bonne idée. Et rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez toujours une agréable journée. Re-bienvenue sur Ratchet & Clank sur PS4 les amis. Donc... Je
je suis en compagnie de Pika Méraline. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, les amis. Regarde ça. Là-bas. Ok, attends, on va faire tout le tour d'abord. Pour être certain qu'il n'y a rien. Tout détruire. Hey ouais, il n'y a rien. Ratchet, la dernière fois que j'étais ici, j'ai utilisé les conduits de purification d'air pour m'échapper. Je sais, mais oh, tu me laisses chercher un peu tranquillement là. Laisse-moi jouer à Sherlock Holmes. Ne spoil pas la suite. Voilà, ne spoile pas là, ne spoile pas. Laisse-moi jouer à Sherlock Holmes. À vous, Ranger. Je suis dans le système de ventilation de Drake Industries. Bien joué, cadet. Si seulement je pouvais être parti, dans ce conduit, mais impossible avec ces énormes muscles. Il y a une carte là. Il y a un terminal de sécurité au nord de votre position actuelle. Désactivez-le et les Rangers devraient pouvoir rentrer dans le bâtiment. Une carte ici déjà. Nous y voilà. Décrivez votre poste actuel. Assistant dans super mission. Listez vos compétences. Les formes aidées à la destruction des planètes. Et vous allez que je traverse. Oh là, tu se bats. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit y avoir un moyen de sortir de cette pièce. J'ai fait griller le petit robot quoi. Je suis dans le système de ventilation de Drake Industries. Bon. Si seulement je pouvais être avec toi dans ce conduit, mais impossible avec ces énormes muscles. Ah ouais. Il y a un terminal de sécurité au nord de votre position actuelle. Désactivez-le et les Rangers devraient pouvoir rentrer dans le bâtiment. Non, c'est vrai. Je l'avais pas vu. Nous y voilà. La page des enfants. Décrivez votre poste actuel. Assistant dans une mission. C'est l'anomalie. Qu'est-ce que tu fais ici? L'anomalie. C'est fou. Il doit y avoir un moyen de sortir de cette pièce. Non. Alors là. Qu'est-ce là. Ok, là. Bienvenue sur le 3-9, le serveur qui fait revenir. Parfait. Ça, attends. On va détruire ça. C'est nickel. Viens là, Coco. Tous les robots de guerre, le peloton de robots de guerre 774 a achevé son entraînement.
Il est désormais prêt au combat. Parce félicitations. C'est qui fait revivre les gens et aller de nouveau. T'es en train de réécrire la phrase de bienvenue avant que je m'adore. Je sais pas trop comment je pourrais l'écrire. Tiens, cette carte, je me demande comment il faut l'avoir. Ah bien. J'en peux pas passer en haut. Décrire dans un français correct. Robot gadget détruit. Réapparition en cours. Pour votre travail acharné. De la glace sera servie à la cafétéria cet après-midi entre 13h et 13h15. Parfait, de la glace. Nous en profitons pour vous rappeler qu'une réunion obligatoire pour tous les robots de guerre aura lieu entre 13h et 13h30 au niveau B. C'est parfait tout ça. Tous les robots de guerre absents seront détruits. Nickel. Ça doit être une bombe. Ça doit être des badaboum boum. Boum boum boum. Gagné. Explose. Parfait. Et voilà. Alors je dois t'avertir, il y a un trophée bientôt que tu peux faire dans cette zone. Dans cette zone que tu vas progresser bientôt. D'accord. Proche d'ici, c'est après la grille. C'est après la grille. Ok. Ok, ok. Boum, boum, boum. Faut juste que je vois c'est dans quelle zone exactement, et mais voilà. je vais te dire quand tu vas être arrivé. On va prendre une autre boule entre temps. Vu qu'il va avoir des ennemis, je pense. Ça peut peut-être nous servir. Abandonne maintenant, Anomaly, je te préviens. Alors, je regarde mes traces. Attends-le. Traite. C'est qui Benoît? Oui maman, t'en entends-tu parler de ce site-là? Pas bienvenue. Ah,
pas ça, je me demande si c'est un bot par contre. Et bonjour les renards, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Bienvenue sur Ratchet & Clank. Alors, on va les faire péter encore une fois. Voilà. C'est parfait. Encore une pub. Ah, oh, c'est chiant. Ratchet. Juste les PS3. Ah, ah, il est là. Bon. Je sais qu'il y a un trophée sur les quarks. Pas les quarks, mais dingue. Il faut que t'écrases 5 robots gadgets sur le broyeur à Quartou. Non, les broyeurs. Ok, ok. Bon, pour le moment, je... J'y suis pas au broyeur pour le moment. Si. Ah ben il est là le broyeur. Voyons si je peux résoudre celui-ci. Carte sœur, ce n'est pas le moment de me lâcher. Tout va bien mon vieux? J'y suis presque, mais j'ai rencontré un obstacle. L'assistant de Drake, Zed, c'était pas ça le broyeur? D'atteindre le terminal de sécurité. Oui, c'est où les pistons? Là, présentement, il marche pas, là, mais quand tu vas mettre de l'électricité, ça va marcher. Non, faut que tu mettes un robot sur le convoyeur. Puis tu t'en prends un deuxième pour l'écrabouiller. Robot le robot batterie sur le convoyeur. Je suis sûr qu'il y a un robot gadget. Tu comprends? Il est pas en mouvement. Gadget sur ce tapis roulant. Je
dois trouver un autre robot gadget. Parfait, on les éclate bien. C'est parfait. Oups, il vient d'avoir un nouveau loi. Et merci. Alors, Alice The Key The Dove Dao. Je te remercie beaucoup pour ton follower. Bon, pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Installe-toi bien. Nous sommes sur Ratchet & Clank sur PS4. Allez, on va les cliquer. C'est gagné. Un robot gadget. Vas-y, tac. Oh mince. Je suis vraiment maladroit. Oh mince, je suis tellement maladroit. Tiens. Oh les cowboys. Je suis sûr que t'es rendu à 4 ou 5. Et voilà. Trophée écrabouille Clank. Bah c'est parfait tout ça. On l'a écrabouillé. Comme une craque. Ah ben, c'est bon. J'ai eu le trophée donc. Alors maintenant. Attends, on va essayer de casser. Je devrais essayer de placer un robot gadget sur ce tapis roulant. Coco, on l'a déjà fait. Tu vas pas les tuer puis autant de fois qu'il le faudra. Le pauvre robot. Pauvre robot. Attends. Il y a pas quelque chose des fois. Tiens, un robot là. Oui, il faut que t'ailles le chercher. Oh, je l'avais pas vu, celui-là. Je l'avais pas vu, moi. Il en faut combien comme ça pour aller le chercher? De mémoire, il y a quoi? Ah, reste là, toi. Je devrais essayer de placer un robot gadget sur ce tapis roulant. Deux. Ok. Donc là, il faut aller le chercher, celui-ci. Chercher ceux de là-bas, je crois. Non, t'as pas besoin. Non, pas besoin. Ok, ok. Je devrais essayer de revenir vers le convoyeur. Ce tapis roulant. Ouais. Là, ça va fermer, non? Ouais. Sur celui-là. Je peux pas le prendre, celui-là. Tac, tac. Non, là je peux pas passer. En fait, faut que tu mettes un robot batterie sur pour le convoyeur, puis ça va pour le tapis roulant. Plutôt. Ok. Pas en mettant un. Et tu passes à mesure. Là, je comprends mieux. Là, je comprends mieux. Oh, c'est quoi ça? Punaise, mais ça m'a fait peur. Tomber comme ça, là, devant le museau, là. J'ai failli me faire éclater. Là, tu vas avoir besoin de déployer un pont à droite parce qu'il y a une batterie là pour que tu alimentes. Voilà, un. On va prendre le deuxième. Assez haut,
Et on va arrêter de s'amuser avec ces... ces Jojo, hein. Tu viens là. Tu veux pas travailler ? Non, faut que tu le places à droite. Voilà. Tu vois où sont les ponts? Ok, ok. Faut, faut que tu passes un deuxième pont devant... devant la grille. Ah, ok. Sinon je peux pas le prendre, ouais. Oh mince, je suis vraiment maladroit. Tic, tic, tic. Ok, là je comprends mieux parce que je pouvais pas... je pouvais pas le prendre sinon. Attends, je vais regarder vite fait. Tac. Il est passé où? Il est passé où? Mais non, me dis pas qu'il s'est refoutu. Il faut que je crée une surface stable avant d'activer ce récepteur à proximité de la lave. Elle est passée où, ce con? Oh, le mec. Ah, il est là-bas. Je cherchais un peu de partout et en fait, il est juste là-bas en train de sautiller. Oh, le con. Mais est-ce que tu vois la grille à... la grille... Merde. Devant toi. Ouais, la grille est là, ouais. Ouais, faut que tu déploies un pont là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, je le récupère. Là. Il est mignon. Voilà. Ici, là. Travailler celui-ci, c'est pareil. Vous n'avez pas travaillé? Parce que tu peux juste mettre un robot batterie par pour que tu le mettes ailleurs. Il est déjà alimenté, tu peux pas en mettre un deuxième et un troisième dessus. Ok. Et donc pour la porte, faut faire comment? Pour que la porte s'ouvre, il faut que tu ailles où t'as déployé le pont plus tôt. Déploie un pont en avant. Ouais. Mais on batterie juste en plein milieu. En plein milieu. Oui. Ok. Ah oui, ouais, c'est bon. Je vois. T'es de le voir là. Je vois le truc. J'avais pas capté. Bien joué, robot gadget. J'avais pas vu. T'as juste à le laisser là, il va alimenter la porte. Et tu peux continuer. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon ben voilà, on y avance tranquillement. Vas-y, c'est parti. Balance-moi le robot de guerre. Voilà qui est fait. Tu vas en rebalancer un autre. C'est parti. Alors, ils sont où tes robots de guerre? Ah! Plein.
il est beaucoup trop fort. Ouais. Pas mal pour une anomalie. L'anomalie... c'est l'anomalie supersonique, quoi. Koiko. Je suis un Saiyan, moi, oh. Spartiate, quelle est votre force? Y a rien à récupérer, c'est bon. Non, on fait tout péter. Yo, oh, viens là, que je te tape dans. Bon, je te tape assez. Alors ici, c'est un puzzle. Puis t'as un boulon en or à trouver. Alors, un cet puzzle. Aimant pourrait peut-être être utile. Enfin, après, faut juste que tu trouves les robots batteries. Puis... Oh, y en a un là. Un là-bas. Oh, ah ben, oh, je croyais que ça allait me faire mourir, non c'est bon. Non, on remonte. Ah non. Ok. Je suis en train de rater, j'en ai pas né là. Ok. Bon, les faisceaux lumineux, c'est pas bon. Ça fait mal. J'abandonnerais si j'étais toi. Jamais. Cet aimant pourrait peut-être être utile. Voilà. Moi je te casse la tête par rapport à toi, moi je te brise la tête. Tu toucherais même pas mes aimants. Appel au président Drake. Ah, allô monsieur Drake. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du président Alonso Drake. Je ne suis pas disponible pour le moment, je suis sûrement en réunion ou en train d'assurer l'avenir de notre espèce. Alors laissez un message après le bip. Sauf si c'est une mauvaise nouvelle. Le prochain qui m'annonce une mauvaise nouvelle, je le jette dans la lave en fusion. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle. Bonjour, monsieur. Je veux dire, c'est bête. J'appelle pour le monde. Tout va très bien. Je ne suis absolument pas caché dans une caisse comme un lâche. Oh l'enfoiré. Je voulais juste vous dire qu'il n'y avait aucun souci à se faire. La sécurité est vraiment au top. Oh oui, au top. Tellement au top. Quel lèche-cul. Vrai lèche-cul, le mec. Incapable de dire qu'il y avait un problème. Alors, devant le dernier robot batterie, donc, j'étais pas obligé d'aller chercher tout de suite. Mes messages non lus doivent s'accumuler dans ma boîte mail. D'accord. Il est en hauteur, donc t'as besoin des trois robots batteries pour aller chercher. Parce que là, c'est vrai que... Attends. Pour aller le chercher, faut monter déjà. Oui. Faut pouvoir monter. Avec un trampoline.
Faut cacher l'orbe. Et sur le côté. T'en as déjà deux, quoi? Ouais, j'en ai déjà deux là. Là, j'en ai déjà deux. Il me manque le troisième qui est juste là, sur le côté. T'en prends un, puis transforme en trampoline. Puis après ça, tu ramènes le dernier en haut. Puis tu peux aller chercher avec les trois. Tu peux aller chercher. Le boulon à l'or. Je sais pas si t'as regardé la bonne affaire que moi. Oh, ça va. Ça va, c'est parfait. Ok, tu le feras pas. Je sais pas si tu vois la grille qui semble être en or. Avec une lumière jaune par en arrière, mais bon. Je t'interdis d'activer cette commande. Tu l'as activée. Ne pense même pas à double-cliquer sur cette icône de sécurité et à contourner nos systèmes. Si, clic, clic, clic. Allez, double-cliquer, allez, dans ta face. Équipe à vous. J'ai désactivé la grille de sécurité du bâtiment. Tu vas aller chercher en mode défi. Pourquoi il y avait quelque chose à récupérer là? Ouais. Ah merde. Oui, attendez, de quoi on parlait? Ah merde. J'ai décroché pendant une minute. Je crois qu'on peut le ouais, on peut le on peut revenir. C'est bon, oui, ce que tu peux. Je vais aller le récupérer tout de suite. Comme tu viens de faire là, déjà. Ce sera pas long de le refaire. Ouais, c'est pour ça. Vaut mieux le faire tout de suite. Vaut mieux le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Je vais perdre mon boulot avec ces histoires. Je vais essayer de taper tout ce qui tout ce que j'ai pu rater comme pour trouver des petits boulons, des trucs comme ça. Et cet aimant ne me dit rien qui vaille. Les aimants, on peut vraiment pas leur faire confiance. Ouais, les aimants. Les aimants, ils aident énormément bien. C'est à Victor Piver du film. Là. Quel film? Victor Sullivan ou... Non? Alors attends, tu me disais laquelle grille? Ici. Ici plus haut. Non. Reviens. Et moi je vois tout en décalé. Non. Sors pas. Pas sur les tapis roulants. Je passe sur les tapis roulants donc.
Il faut que tu regardes dans la direction de où était le robot batterie sur le robot gadget plutôt. Attends, à l'entrée. Ah, tu veux dire la carte? La carte aussi, faut que tu la récupères, hein, parce que je pense que c'est une carte tête, là, je suis pas sûr. Parce que déjà, la carte, je l'ai récupérée. La carte, ouais, je récupère là. Mais après, tu y avait quelque chose d'autre à récupérer Oui. Oui, mais tu as besoin des trois robots batteries. Robots gadgets. Parce que y a une grille qui y a une grille en hauteur qu'il faut que tu regardes. Oh, une grille en hauteur. Je prends une bombe. Tac tac tac. Cet aimant ne me dit rien qui vaille. Oui, mais la bombe c'est pas tout de suite que tu la prends. Ah, il faut pas que je la prenne tout de suite. Ouais, faut que t'attendes. Ah d'accord, il y a une carte là. Ok. Ok, là je comprends mieux. C'est une grille avec un aimant. Non. Bah là, il y a une carte, je sais que j'ai besoin d'un aimant. C'est le dernier épisode de la saison. Faut que je prenne un aimant pour... Je pense que ça s'appelle une grille de ventilation qu'il faut que tu regardes. Juste comme ça, mais il y a un boulon d'or en arrière. Parce que là, je sais qu'il y a une carte là. Bon, j'ai pas vu le boulon d'or. C'est normal parce que t'es pas dans la bonne zone. Je vais perdre mon boulot avec ces histoires. Attends, je vais récupérer d'abord. C'est juste à l'entrée. Je vais récupérer d'abord la carte là. C'est une deuxième carte dans le niveau déjà. Donc... Merde. Si, je peux le faire. Prends un robot gadget. Je transforme-la en trampoline. Je me suis raté. Oh non. Eh ouais, ils viennent de disparaître le truc. Je l'avais récupéré, puis ils viennent disparaître en se faisant éclater contre le mur. Ah le dégue. Dégoût total. Attends. Je vais le récupérer. Je vais essayer de le récupérer vite fait. Ah bien. Voilà. Les aimants, on peut vraiment pas leur faire confiance. Oh, on va y arriver.
Ouais, c'est bon. Attends. Je me suis raté. Je sais que si tombe en bas des tapis, pour les taper au long, pour que tu remontes. C'est bon, la carte c'est bon. Bon, et le boulon, tu me disais qu'il était vers le début? Oui. Ok. Non, on voit pas. Reviens dans la salle. Va à droite. Puis regarde dans le coin droite. Gauche. D'accord, là je viens de le voir. Je viens de la voir la grille, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que sans toi, je l'aurais pas vu du tout, celle-ci. J'aurais pas vu du tout. Donc t'as besoin des trois robots gadgets pour y aller. Plus une bombe. Dans le fond, t'as un pont qu'il faut que tu déploies là. D'accord. D'abord un pont, puis après... Donc, il va falloir que je monte, que je mette un pont, et puis en fait... D'accord. Bienvenue à Soupa. Et bonjour Soupa 93. Merci pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue donc sur Ratchet & Clank sur PS4. Salut à toi. Donc... Tu poil le pont, tu mets un trampoline dessus, puis après ça, tu vas chercher la bombe. Ouais. Faut juste rester à y aller, sauter, puis lancer la bombe, puis tu vas l'avoir. Ok. Merci à toi, parce que franchement, là, celui-ci, je l'aurais pas du tout trouvé. Celui-ci, j'avais pas vu du tout qu'il y en avait un, qu'il y avait la grille en fait. Elle était bien cachée celle-là. Ok. Mais Soupa, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Bienvenue à toi. Alors, tac, attends. On va poser là. Voilà. Ça, on va poser là. Et on va chercher notre bombe donc. Voilà. Oh.
Parfait, baisse le nickel. Eh bien merci Mika, Pika, franchement. Tu gères Pika. Y'a pas de quoi. Allez, ben c'est parfait. Bon, celui-ci, il sera pas à refaire. Donc, on défie. Ben c'est parfait ça. Alors, maintenant, explore l'usine. Explore l'usine, tac tac tac, c'est. Elle se trouve où l'usine? Faut que t'ailles à la porte qui était verrouillée. Donc la porte verrouillée, tac, attends. On va détruire ça. Ton allié est juste en face. Vincent. Bien, rentrons et allons okay. Trouver Drake. Ok. Bon, mais parfait. Ils s'en foutent, on adore tirer sur les gentils. Oh, on va se calmer, les J'espère amis. J'espère que vous profitez bien de la visite de mon usine, cher Ranger. Je me présume que nous embrassons des derniers modèles de notre bon docteur. Allez, dansez, les gens. Pas besoin, ils dansent. Ils sont à fond. Oh yeah. Allez, vas-y, cocotte. Ouvre-moi cette porte. On est à fond. On dirait que le bureau principal est là-haut. C'est parfait. Oh. Explore l'usine. C'est sur cette ligne de montage que j'ai été mis en service. Je suis en proie à de nombreux sentiments contradictoires. Parfait. On doit trouver Drake avant de se téléporter hors d'ici. Tu vas détester mes chansons, c'est promis. Allez, dansez. Je casse la tête. Énergétique cache une station de ravitaillement. Dirige-toi vers la gare. Moi, je te couvre. On va se diriger vers la gare. Ok. Ok. On est bon. Tu vas pouvoir contourner cette tourelle ? Je sais pas. On va voir ça. Quoi. Je suis un lâche, moi. Je te casse la tête. Tiens, danse. Je suis pas lâche. Bien joué. Continuons. Parfait. C'est nickel. Mais c'est nickel, tout ça. Me faire retirer, mais bon, on a des urcons. Les urcons, ils sont cons. Les gens sur moi adorent tirer sur les gentils. La danse des urcons. Ah non! Ah, j'avais pas vu que la plateforme elle s'enlevait. Ah, mais non! Sois prudent là-dessus. Aïe! Toi! Ah,
je me la suis pris en pleine poire. Les Urcons. Oh attends, bouge pas. Les Urcons, je vais leur faire la fête. Je vais voir ça, moi. Je vais vous l'enlever la racaille, moi. Voilà. C'est comme alors, ça qu'on enlève la racaille. Tu as apprécié les Urcons? Ne t'inquiète pas, de nombreuses autres surprises t'attendent encore. Tu es prêt à les découvrir? Vas-y, fais péter. Fais péter tout ça. Survivre. Et let's go. On y est arrivé. Avec 2% de vie, c'est parfait. Ah ben voilà. Faut juste attendre le bon moment. Oh. Raid. Merci. Et bonjour DR Sanak, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Merci pour ton raid mon cher ami. Et bonjour les raiders, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je m'en occupe. Coucou à vous. Je suis en compagnie de Pika Meraline, qui est une streameuse adorable, les amis. Si vous ne la connaissez pas, je vous fais un petit point et saumon. Je suis en vocal avec, donc si vous avez des questions sur mon contenu, c'est le temps de le dire, de l'écrire ou de lâcher un petit follow, ça aide beaucoup. Alors Pika, si tu ne connais pas notre DR Sanak, je lui fais un petit point SO. Il est un excellent streamer, notre adorable DR Sanak. Toc, toc. Eh ben ça va nickel. Et toi, comment s'est passé ton stream mon cher ami? Alors toc, toc, toc. Ok. Alors Snake, est-ce que tu streamais dans la catégorie rétro? Oh, Siphon Filter, c'est un bon choix. Siphon Filter, un excellent jeu. Un excellent jeu, oh punaise. Ça me rappelle des bons souvenirs, Siphon Filter. Ah, j'adore, j'adore. J'avais kiffé en PlayStation 1. J'ai fait PlayStation 1, j'ai fait PlayStation 2, je crois que j'en avais un. Et j'avais fait celui-là de PSP. J'avais vraiment adoré. Alors,
bloquer. Attends. Ah oui, il faut... Attends, je comprends pas. Il n'y en a que deux. Comment ça se fait que... Il y a que deux trucs. Comment il faut faire là? Attends, je comprends pas. Ah là, je comprends mieux. Il est pas ressorti sur le PS Plus Premium, Siphon Filter. Si, exact. Il est ressorti sur le Premium et maintenant il y a même un platine, un trophée platine dessus et tout ça. Donc, dès que je vais pouvoir prendre le PlayStation Plus Premium et tout ça, je pense que je le ferai directement. Je ferai directement, je pense. Ah, oh, il est sorti en 1997. J'avais complètement oublié ça. Ouais. En même temps, j'ai jamais pu le faire à l'époque. Donc... Franchement, les Siphon Filter sont d'excellents jeux. Je me demande pourquoi ils n'ont pas continué. Parce que ça avait très bien marché avant. Hein. Ça avait... Ouais, mais... Peut-être qu'ils n'ont pas fait assez de ventes à leur goût, je sais pas trop. À l'époque, il n'y avait pas l'internet qu'on a aujourd'hui. Ouh. Bah c'est vrai qu'après, voilà. Avec le studio. Ah, elle est morte avec le studio. Voilà, okay. Ouais. C'est dommage, et franchement, c'est vraiment dommage, parce que c'était un très bon jeu. Moi, j'avais passé des heures à l'infini sur le deuxième, où tu pouvais... avoir deux, trois personnages. Je me rappelle, c'était... Le monsieur, du moins le monsieur, le héros donc. Tu avais Teresa qui était franchement pas mal aussi. Les héros étaient vraiment extra, j'avais adoré. Franchement, est-ce que les Metal Gear sont sortis avant ou après Siphon Filter? Alors... Je sais plus trop. Alors, je pense que c'est avant. Avant, parce que Metal Gear, il y en a eu un sur la Super Nintendo, si je me rappelle bien. C'était... je crois que c'était le premier Metal Gear qui était sorti sur Super Nintendo, je crois. Et Siphon Filter... je ne crois pas que c'est sorti après... je crois que c'est que sorti sur... PC Engine. Ouais, quand même. Exact. C'est vieux. Ouais, Metal Gear, c'est... C'est assez vieux, ouais. C'est dommage qu'un studio soit mort aujourd'hui avec son jeu. Son dernier jeu. Mais bon, ça arrive des fois. Et ça, c'est que bon, c'est vraiment dommage. Ah, je vais galérer sur celui-là. Yep, pas de soucis. Le piratage automatique nous ferait sûrement gagner du temps. Prends ton temps. Ouais, bah, pas de soucis, Dersanak. Reviens quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu, cher ami. Alors. Je te laisse réfléchir parce que des fois, puzzles-là, les faire sans piratage automatique, c'est compliqué.
Bah, c'est vrai qu'après le piratage automatique, je ne le fais pas parce que tout simplement qu'il faut, il y a un trophée à faire avec. Ouais. Sans faut le piratage informatique. Ça. C'est ça. Alors là, j'en ai deux. Ah, punaise, je les avais pratiquement tous. Lequel? Ouais, là, je les ai pratiquement tous. Il m'en manque un seul. Du moins deux. Lequel est utilisé deux fois? Voilà, parfait. Il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, Picaméraline, tu peux revenir. C'est bon, c'est bon. Ouais. Sauf que faut que je coupe le micro encore. Mais non, mais tu me dérangeais pas, t'inquiète pas. Comme vous le voyez, la production de robots de guerre est à son maximum. C'est le moment rêvé pour conquérir de nouveaux marchés dans la galaxie. Ah mince, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Bon, ça devrait être beau. Je vais recouper si elle repasse à nouveau, d'accord. Mais je pense que ça va être correct. On doit trouver Drake avant de se téléporter hors d'ici.
Bon, c'est un peu plus calme, là. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends. Ok. La grille, tu peux la faire exploser avec une... avec... avec... une tourelle. C'est en haut, intérêt à trouver des nanotechs. Ouais, robot neutralisé. Les voilà. Ça, c'est fait. Bon. Alors, champ de force vidéo. Ah, ok. Bon. Mets-toi à couvert, ben je pouvais pas savoir que ça allait me tuer. Cocotte, voilà, hein. Dans la salle de sécurité. Voilà le terminal de sécurité. Tu dois le désactiver. Ça, c'est fait.
Tout va bien, c'est bon. Je suis là. Qu'est-ce que c'est ça? Au revoir, Ranger stupide. Oh my god. Je vais bien. Tu t'occupes de celui-là? Je vais voir. Je vais essayer. Chouchou, c'est l'heure de rencontrer ma famille. Ah, c'est un truc de fou. Depuis que j'ai rejoint ton live, j'arrête pas d'avoir des pubs. Ça pourrait vos derniers instants, Ranger. J'aimerais pouvoir rester et profiter du spectacle, mais je dois y aller. À quoi ce Vince? On ne peut pas laisser cette crapule s'en tirer. Ah, c'est chiant. J'en ai jamais d'habitude. Ah, c'est fou. Ah tiens, danse, danse. Madame, c'est l'heure de rencontrer les Urcons. Ces Urcons m'entendent encore, mes chers qui partent. C'est pour ce genre de moment. Ah. Parfait, pacification. Les Urcons vont maintenant activer le super bouclier de la mort. Il faut que tu tires. Ouais, ouais. Je viens de voir ça. Sec. Oh, j'ai plus de balles. Monsieur Surcon est là pour détruire. J'ai plus de balles. Tu n'es pas encore mort. Monsieur Surcon va détruire. Oh, tu tirais sur Madame Surcon. Tu n'en as plus pour longtemps, boule de poil. Madame Surcon est en train de gagner. Ah, ça, Monsieur Surcon va te faire un visage. Voilà, c'est bien. On va lui dégommer sa tête. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Oh, il n'y a plus de balles. Oh, j'ai plus de balles là aussi. Il y a un cours de balles. Vraiment. Chérie, tu vas te calmer, hein. Je sais pas si t'as des ragnagnas, mais je m'en fous, moi. Tu vas te calmer, hein. Madame, c'est tellement moche, madame, vous me faites peur. Ah, ah, grâce à madame de Pont, tu es un peu plus proche de la mort. Je sais pas si ça lui fait quelque chose, ça. Tu n'en as plus. Oh non!
C'est l'heure de rencontrer ma famille. Dommage. C'est dommage. Savourez vos derniers instants. C'est proche de l'avoir marqué 5%. Ouais. J'ai vu ça. On ne peut pas laisser cette crapule s'en tirer. Tu n'en as plus pour longtemps, boule de poil. Madame Secon est en train de gagner. Continue à tirer. Tu dois continuer, Ratchet. Aïe. Le stupide ne m'atteigne pas. Est-ce que je peux lui tirer? Ah non, même pas, je peux pas utiliser la... C'est dommage. Stupide et oh, faut se calmer, hein, la vieille. Ils vont te dégommer, mes armes stupides. Alors, on va reprendre de la vie. On va reprendre.
prendre un peu plus de vie. Le respect, sale bête. Oh non. C'est l'heure de rencontrer les Urcons. C'est l'heure d'aller faire dodo pour toi, oui. Oh punaise. On est mal barré tout ça. Tout à fait. Aucun respect pour Madame Zurkon. On va même la faire danser, là, Madame Zurkon. La danse. On va te casser la gueule comme ça. Les Zurkon vont se détruire maintenant. Enfin. Ah, oh, punaise. Bon. Eh ben, on est mal barré avec ça. C'est l'heure de rencontrer ma... Je galère un peu sur cela. Savourez vos derniers instants, Ranger. J'aimerais pouvoir rester et profiter du spectacle, mais je dois y aller. À plus. On ne peut pas laisser cette crapule s'en tirer. Vos armes stupides ne m'atteignent pas. Fuyez devant monsieur Surprise. C'est l'heure de rencontrer les Urcons. Il n'y a plus de bouclier. Feu. Détruis son bouclier. Madame Zurko, continue à tirer. Les Zurko vont te détruire maintenant. Mais c'est pas possible. Je suis tombé. J'ai glissé, chef. Savourez vos derniers instants, Ranger. J'aimerais pouvoir rester et profiter du spectacle, mais je... Ah ben, j'ai glissé, chef. C'est l'heure de rencontrer les Urcons. Ouais. Je suis à fond. Il faut que je sois à fond. Allez, je vais y arriver. Maintenant, activez le super bouclier de la mort.
on va utiliser que la technique de la faire danser pratiquement. Tu oses tirer sur Madame Burgo? Madame Zircon, tu es un peu plus proche de la mort. Voilà. Madame Zircon va protéger sa famille. Dernière fois. Faire danser un peu et c'est bon. Nos armes stupides ne m'atteignent pas. Terminé. Trophée obtenu, les valeurs familiales. Yes. Je vais aller inspecter. On lui a plombé la tête. C'est là-bas. Fini. Let's go, les amis. Ton vaisseau t'attend sur le tarmac de Drake Industrie. Ah ben c'est parfait. On soit sur Kerwan. Ah ben c'est nickel. C'est nickel. C'est tout à fait nickel. Monsieur Zircon s'ennuie. Monsieur Zircon s'ennuie. C'est sur compte et qu'il aille se faire. Si tu t'ennuies, hein. Eh, hey, tu peux t'occuper de ce verrou? Mais 2 minutes, cocotte. Donc, tu me disais que la porte là, je peux la faire sauter avec ça. Les nanotech, et pourquoi pas une petite sieste aussi, Lombax? C'est nickel, c'est nickel, c'est tout à fait nickel.
On y est. C'est bon. Allez. C'est parfait. Bah, c'est nickel. Il n'y a pas une minute à perdre, Ranger. Regroupons-nous et mettons le cap sur ce déplanéti machin. C'est tout à fait nickel. Alors, c'est parfait. Parce que là, on a bien terminé. Bon, après, ce qui manque, je vais voir. Choisissons les planètes. Manque. Ah, là, j'espère qu'on n'aura pas à y retourner. Ça sent bizarre sur Quartou. Là, il nous manque deux. Il nous en manque deux. Et merci pour un nouveau abonnement sur la PlayStation. Ça fait plaisir qu'il y ait du monde qui suit mon profil. Tac, alors. Bon, ça, je chercherai un petit peu plus tard. Pour le moment, on va pas le terminer. Voilà, ça. Tac. Non, là, il n'y a que les objectifs optionnels. Et des planétisseurs. Tac. Okay. Bon, on va faire le planétisseur. Il rigole pas, hein. Il va en falloir un peu plus pour te débarrasser de moi. Continue de tirer, Ratchet. Il a aucune chance. Soyez prudent, Ranger. C'est la guerre là-bas. Ouais. Je vois ça. Missile en approche détecté. Il a un tracto faisceau. Missile en approche détecté. Je peux plus me diriger. Ah, l'enfoiré. Ta tête est mise à prix, Lombax. Et la récompense est pour moi. Allez, ça, c'est fait. On vient de plomber le vaisseau de Victor. C'est parfait, c'est nickel. On vient de plomber cet enfoiré. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Victor Vognon a réussi à infiltrer le Phénix. Nous devons abandonner le pont. Ah, mais c'était lui, c'était Victor qui me poursuivait là. La première fois, ok. Incendie du vaisseau. Là, je comprends mieux. Oui, mais ça va pas être facile. Le générateur du vaisseau a subi d'importants dégâts. Alors j'ai dû tout dévier vers nos systèmes principaux. On peut démarrer le générateur de secours, mais il va falloir le faire manuellement. Comment j'accède au générateur de secours?
misérable tas de ferraille. Ouais, ouais. Là, rentre dedans. Ed. Je suis dans la salle des machines. Tu vas d'abord devoir activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le courant. Toutefois, les générateurs ont besoin d'énergie supplémentaire pour démarrer. Tu penses pouvoir y arriver? Je m'en occupe. On va essayer ça. T'as deux trucs à faire. Ah, je peux pas l'enlever. Ok. Attends. Je vais me faire une bêtise. Déployez trois escadrons. Vaisseau à 3, 4 et 11 heures. Il me lâche pas. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Attends. Tic 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 tac. Si je parviens à construire de nouveaux ponts comme il le faut, je devrais être capable de rassembler tous les robots gadgets au même endroit. T'as à peu près 10 minutes. T'as à peu près 10 minutes. Parviens à construire de nouveaux ponts comme il le faut, je devrais être capable de rassembler tous les robots gadgets au même endroit. Voilà. On est en train d'atteindre un niveau de dégâts critique. Tu dois te dépêcher. C'est celui-là. Ouais. C'est celui-ci qu'il faut que... Je fais une bêtise en fait. Maintenant. Ok.
merde. Je refais la même bêtise. Je crois que j'ai refait la même bêtise. Bref, c'est pas grave. Je suis dans la salle des machines. Tu vas d'abord devoir activer deux générateurs de secours pour pouvoir rétablir le courant. Toutefois, les générateurs ont besoin d'énergie supplémentaire pour démarrer. Tu penses pouvoir y arriver ? Je m'en occupe. Ouais. Bon, mais ce que je vais faire, les amis, je vais stopper ici. Je pense que je vais regarder vite fait si ça s'est enregistré ici. Je pense que oui. Tac tac tac, on va regarder vite fait. Je suis dans la salle ouais, des machines. Parfait. Ben, c'est parfait. Je vais stopper ici. Et je vais remercier tout le monde. J'espère que ce live vous aura plu, les amis. Parce que moi, je me suis vraiment éclaté, les amis. Sur Ratchet & Clank aujourd'hui. Alors, ben, je vais remercier Pika Méraline, ben, déjà d'une, pour être venu sur le live d'aujourd'hui, ainsi que d'être venu faire une chat party sur le live. Ça fait véritablement plaisir d'avoir du monde qui parle en chat vocal, puis voilà, qui vient tranquillement faire de la vocale, parler et puis expliquer quelques petites choses, parce que c'est vrai qu'elle m'a quelquefois aidé sur le jeu, ce qui m'a fait véritablement plaisir. Et puis en plus, ça m'a fait avancer sur l'avancement des pourcents du jeu. Je vais remercier aussi Papy Raven pour aujourd'hui, pour son petit lurk et son petit passage. Je remercie aussi les deux venus qui sont Soupa93 ainsi que donc tac 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 Alice The Kind. C'est un nom anglais exactement. Alors, Alice The Kind. Et Dwest. T-W. Alors, je sais pas comment ça se dit exactement. Mais merci à vous deux pour vos followers. Vous êtes donc le 91e et 92e. Followers de la chaîne, bienvenue encore à tous les deux, ça fait véritablement plaisir. Et je remercie aussi DRSanak 974 pour son raid ainsi que son passage sur le live. Je remercie aussi intégralement Streamrunner et Streamlobby pour leur soutien et leur force aussi fort et aussi puissant, les amis. Et je remercie encore et toujours tous les passages, tous les lurkers d'aujourd'hui. Je vais donc vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée et au plus grand des plaisirs donc de se retrouver 13h30 17h mercredi. Nous serons sur Battlefield 5. Nous allons essayer de faire encore un peu du multijoueur pour s'amuser encore un peu sur le jeu. Voilà, voilà, les amis. Mais j'espère que ce live vous aura plu. Et je vous fais donc d'énormes bisous. Au plus grand des plaisirs de tous vous retrouver. Donc, mercredi. Je vous dis à la prochaine, les amis.